C'est maintenant le moment de la déclaration des députés. Député de St. Catharines. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, j'ai décidé d'écrire une nouvelle déclaration pour parler du sommet des leaderships des femmes auquel j'ai pu assister cette fin de semaine. Ils ont parlé du besoin de retirer les obstacles pour les femmes en politique. Et moi, je le comprends. Je suis la seule représentante et avancé dans la région de Niagara. Avant moi, il y avait deux femmes seulement qui étaient au conseil municipal de St. Catharines. Et j'ai regardé des femmes excellentes entrer en politique et réussir dans la région de Niagara et au-delà, comme Cindy Forrester et Cindy Benetti. Et je suis sûre qu'ils ont fait face à des discriminations et je suis là pour les soutenir. Pour les femmes qui veulent entrer en politique, voici un message d'une vétérane en politique. Nous avons besoin de vous, soyez fortes et engagez-vous toujours parce qu'on a besoin de votre expérience aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Il s'agit de services de garde, d'égalité dans les paix pour les femmes et pour les infirmières et les maisons de retraite. La pandémie a affecté ces femmes et il aura un temps où on pourra se relever. On a besoin de plus de femmes dans des positions de leadership pour assurer que cela ne se répète pas. On a besoin de plus de femmes en politique et le fait est qu'avec plus de femmes en politique, on aura plus de voix de ces femmes. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Barryston, Muskoka. Merci, Madame la Présidente. Alors que nous célébrons la semaine de la réduction des déchets, l'Ontario va de l'avant pour aider les producteurs à être plus responsables dans les déchets qu'ils produisent. Nous avons des innovations en termes d'emballage compost et nous avons présenter un projet de loi émanant des députés en 2005 et 2007 pour développer des réglementations qui vont permettre d'atteindre nos cibles en termes de recyclage et de rendre les producteurs et les fabricants plus responsables. Le gouvernement précédent, pendant 15 ans, a eu beaucoup de propos, mais n'a rien fait en termes d'action. Et donc, j'ai visité une entreprise à Muskoka qui utilisait les déchets compostés pour pouvoir réduire ce genre de plastique. Et j'étais heureux de participer à une. J'étais heureux de rejoindre le ministre de la Conservation des Parcs pour annoncer de nouvelles réglementations qui ont été conçues pour augmenter la collection de déchets organiques et de permettre de garder ces déchets hors des décharges pour réduire l'émission des GES. Et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui agit selon ses idées pour réduire ces déchets, trouver des moyens de créer des emplois tout en protégeant l'environnement. Déclaration des députés, la parole, député de Brampton Centre. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom des gens de Brampton Centre et parler de leurs préoccupations. On sait que les chauffeurs nous ont parlé des augmentations des primes pendant la pandémie. Au lieu de réglementer les taux et assurer que les chauffeurs reçoivent un rabais plutôt qu'une augmentation, ce gouvernement a choisi de ne rien faire. Ces taux ne s'augmentent pas seulement à Brampton Centre, mais partout dans la province, même à Collinwood et ailleurs. Et pourtant, ce gouvernement entend ses préoccupations dans ses circonscriptions et ne fait rien. Et ce n'était pas seulement les chauffeurs. On a aussi entendu l'industrie des taxis et des limousines qui disent qu'ils ne sont pas en mesure de conduire et de gagner de l'argent et pourtant ils doivent payer des augmentations de primes. Il y a également les PME qui sont obligées de fermer leurs portes à cause des augmentations de primes et pourtant le gouvernement a l'occasion de faire quelque chose pour réglementer cette industrie avec deux différents projets de loi qui ont été présentés qui ont fait absolument rien. On continue de permettre aux entreprises d'assurance de bénéficier de ces taux alors que les PME souffrent. Elles ont besoin d'aide et au lieu de créer des projets de loi
ou des paquets qui vont les aider, votre gouvernement s'assoit en silence et permet à ces entreprises de continuer de se remplir les poches. Alors j'exhorte le gouvernement de réglementer ces taux avant que ce ne soit trop tard. Merci. Déclaration des députés. Député de Sunny Lambton. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître le travail excellent de deux leaders dans ma circonscription. Le 17 octobre, Mike Tempin, qui est le directeur général de Blue Water Health, a reçu le prix de champion de communication de l'Association des entreprises de sa région pour son travail et son leadership exceptionnel en communication pendant la COVID-19. Julia Oster également, qui est la chef de communication à Blue Water, a été reconnue par la même association en tant que communicatrice excellente. Elle a reçu l'honneur premier en termes de stratégie de communication à cause du travail qu'elle a fait dans sa communauté et son inspiration pour un haut niveau de transparence. Et donc, je veux les féliciter personnellement pour avoir été des atouts importants pour la région de Sarnia-Lambton et pour leur excellente communication. Ils ont toujours été disponibles pour répondre aux questions, pas seulement pour mon personnel, mais aussi pour trouver des solutions pour la municipalité. Alors, félicitations à tous les deux pour ces deux récompenses. Déclaration des députés. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour prendre la parole, pour donner la voix aux préoccupations de mes commettants au sujet des priorités mal placées du gouvernement. Les gens à Davenport ont du mal, comme les gens partout dans la province, au sujet de la résurgence de la deuxième vague de la COVID-19. En plus des préoccupations relatives à leur famille, la sécurité, leur emploi, et s'il y aura du soutien s'ils perdent leur emploi. Les gens ont été frappés par la première vague et le manque d'action du gouvernement, et les gens vivent encore dans des tentes dans les parcs locaux dans ma communauté alors que les températures sont de plus en plus basses et ils ont du mal à savoir comment ils vont s'en sortir le mois prochain. Avec les communautés qui font face à une deuxième vague, le Premier ministre et le gouvernement sont encore en train de cibler la démocratie municipale en interdisant les scrutins préférentiels. Ils outrepassent les droits des gens de choisir leur propre représentant. Les gens de Toronto voulaient avoir le scrutin préférentiel et ils considèrent cela comme une émission sur leur démocratie. Alors il faut laisser les gens et donner le soutien nécessaire aux PME. Député d'Ottawa Centre, j'aimerais dire quelques mots aux familles de Abby Raman, qui a perdu la vie le 24 juillet 2016 à la suite d'une arrestation violente, quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Et ça fait 4 ans. Et je sais que pendant cette période, c'est difficile pour vous et pour vos communautés. Vous avez été laissé sans justice. Et je veux que vous sachiez que le combat contre le racisme systémique et les pratiques biaisées doivent continuer dans nos institutions et au sein de nos communautés. Les pratiques biaisées sont un ennemi de la justice. Et ça, il s'agit de chacun d'entre nous. C'est la façon dont on a été créé. Il s'agit d'examiner les processus et nos institutions afin de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la justice et la sécurité pour tout le monde. C'est l'obligation de chacun d'entre nous et chaque personne au pouvoir. Je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous et les amis de Abby Raman continueront d'obtenir de la justice en son nom. Merci beaucoup.
Député de Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Demain, le 23 octobre, nous célébrons Lawrence Allen Day. C'était un peintre très respecté qui est né à Brantford, Ontario. Il a fait partie du groupe légendaire des Sept et a été crédité en tant que un moteur de cette formation. Et c'est un pionnier dans ce domaine et son style a été reconnu dans le monde en termes de peinture des paysages canadiens. Et je suis fière de dire que la région de York abrite l'art McMichael, qui est une collection d'art canadienne qui a été créée par le groupe des Sept. Et cette galerie est une contribution à l'identité culturelle de l'Ontario et du Canada. Il demande et préserve le travail et les œuvres d'art de ces artistes et contribue au développement de l'art canadien et de l'axe sur ce groupe des Sept pour le peuple des Autochtones, les peuples autochtones. Ce groupe sera toujours intégré dans le développement du style canadien qui est apprécié partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Les choses n'étaient pas obligées de se passer de cette façon. On n'était pas prêt pour la COVID et maintenant on paie le prix. Les gens sont en train de mourir, les vies sont traumatisées, dévastées et les relations sociales sont mises à rude épreuve et notre économie souffre. Nous avons traversé le sastre, nous avons vu l'incidence sur notre société, nous avons étudié les effets, les rapports ont été écrits, quelques mesures ont été faites, mais les grandes mesures ont été ignorées ou démantelées. Des stocks de pays ont été acquis, mais n'ont pas été permis d'être utilisés. Lorsque le besoin s'est présenté, les travailleurs de première ligne n'ont pas reçu les EPI. Le Vietnam, la Corée du Sud, le Taïwan ont tiré les mêmes leçons de Sastre et ont pu les appliquer pour réduire l'incidence sur la vie humaine et sur leur économie. Et pendant le printemps, on était au courant de ces problèmes, on savait qu'il y aurait une deuxième vague. Et maintenant, on n'a pas été préparé, on a ignoré les PSSP. Et on se rend compte que l'augmentation des tests et la recherche des contacts ont commencé seulement après la deuxième vague. Et le virus en ce moment est en train de ravager encore les foyers de soins de longue durée. Et la négligence est choquante et impardonnable. On demande une mise en accusation de ce gouvernement. Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour remercier les gens qui ont participé à notre collection de nourriture pour appuyer nos banques alimentaires locales. Et le besoin est plus vrai que jamais dans nos communautés. Et après l'action de grâce, le besoin a été encore plus grand. Je veux remercier nos communautés qui se sont rassemblées, surtout tous les agriculteurs qui ont travaillé ensemble pour offrir de la nourriture. Garden Market, Garden Hill Farmers, Gordon Cherry, Robinson, Cricklow Farms et Cheer Farms. Cela n'aurait pas été possible sans toutes les entreprises et les banques alimentaires dans ma circonscription. Norversville-Land. Et merci pour tous ces dons. Garden Pharmacy Paul Ho, Jim Colt, Pet Valley Paul Ho, Maple Grove Retirement Home et les banques alimentaires. Merci. Les banques alimentaires font un travail remarquable pour aider les commettants en besoin dans ma circonscription et je veux les remercier pour tout le travail qu'ils font. Merci. Déclaration des députés, député de Peterborough Court.
Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour parler d'un de mes amis. En 1990, pendant ma première année d'université, je travaillais à temps partiel dans une pizzeria. On était à quelques pas du campus de Trent, et c'est là que j'ai rencontré. Il jouait des jeux vidéo à différents endroits. Et il jouait également Street Fighter dans nos restaurants. Et ils avaient un restaurant familial qui s'appelait High Tops, qui a été démarré par son grand-père. Et il y avait également plusieurs menus, et malgré tous ses succès en affaires, il était très fier de sa famille. Il parlait de ses filles, Ashley, Alexia et Victoria, et ça a été... Et une fois qu'il a réussi à l'université, il continuait de parler de ses filles. Il a été diagnostiqué avec le cancer des testicules il y a 3 ans. Et malheureusement, il a perdu la vie le jeudi dernier. Ed avait 7 ans de plus que moi, et c'est bien trop jeune pour une personne qui a fait... autant pour notre communauté de mourir. Thank you very much.